Toujours dans le cadre de mon périple en Haute-Savoie, vous n'êtes pas sans le savoir si vous m'avez suivi. Le dimanche, ça devait être le 7 mai, j'avais organisé une rencontre abonnée sur Annecy. Donc je vous avais dit que je voulais le sortir pour, voilà, pour faire une vidéo dédiée. Voilà, si ça vous intéresse, vous la regarderez. Si ça ne vous intéresse pas, vous passerez à la suivante. Donc voilà, on va faire un petit peu le retour sur la journée qu'on a pu passer ensemble. On y va! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc, comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui, je vais vous faire le retour rapide sur la rencontre abonnée qu'on a fait à Annecy le 7 mai. Alors, cette journée, on était 7 ou 8, je ne me rappelle plus, ou 7 le matin et non, 8 le matin et 7 l'après-midi. Il y en a un qui nous a quittés, Jérôme, qui nous a quittés en cours de journée. Donc voilà, il annonçait toute la semaine, on avait surveillé avec Laurent, que cette journée-là, il devait pleuvoir. Après, ça alternait, il faisait beau, pas beau, ce genre de choses. Au final, et vous le verrez, on a eu globalement correct le matin et à partir de l'après-midi, c'est mis à pleuvoir tout l'après-midi. Alors bon, ça nous a moyennement gêné, mais bon, ça gâche un petit peu quand même le plaisir parce que se balader sous la flotte, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, même pour les appareils, si aujourd'hui la plupart du temps ils sont tropicalisés ou pas. Moi, j'aime pas trop non plus sortir mon appareil. Donc, on a fait avec. Dans tous les cas, le principe des rencontres abonnées, je vous le dis et je vous le répète toujours, voilà, au-delà de la photo et de faire de la photo ensemble, c'est vraiment se rencontrer entre photographes et échanger toute la journée sur les sujets, la passion qu'on a en commun par rapport à ça. Donc, c'est toujours intéressant. D'autant que dans cette rencontre abonnée, il y avait déjà des anciens qui étaient déjà venus, donc ça fait toujours plaisir de les retrouver, plus des nouveaux. Voilà, moi, j'ai pris un grand plaisir à le faire. Alors comme je vous le disais, cette rencontre abonnée, c'était sur Annecy. Annecy, c'est une ville qui est très touristique, qui est bien connue, même si ces derniers temps, si vous avez suivi l'activité, elle n'est pas connue forcément dans le bon sens. Mais bon, elle y est pour rien, c'est les événements, c'est les faits divers. Donc nous, on s'est justement promené dans le petit coin, là, le pont des Amours, le vieux Annecy, qui est bien connu. Donc les photos qu'on a pu faire, bon, ben, c'est des photos jamais que des photos un petit peu de type carte postale, mais ma foi, aussi d'autres. Donc je ne vais pas blablater plus que ça. Voilà, je vais vous laisser regarder les petits rushs que j'ai pu filmer, voir un peu l'ambiance qu'il y avait le matin, l'ambiance qu'il y avait l'après-midi, et je vais vous restituer à la fin quelques photos. La plupart du temps, c'est des photos qui sont de moi et quelques photos qui m'ont été soumises aussi par les autres. Pareil pour les rushs vidéo, la plupart du temps, ils sont de moi, mais certains m'en ont fourni. Laurent, Jérôme, enfin voilà, vous verrez de toute façon les changements. Hein. Genre, je ne suis pas tagué à chaque fois pour les petits rushs vidéo, mais bon, ça permet de globalement donner l'ambiance de ce qu'il y avait pour cette journée-là. Donc, si ça vous intéresse, c'est parti! Voilà, rencontre abonnée à Annecy. Donc il est 10 h comme d'habitude, on attend du monde qui n'est pas là, mais bon c'est pas grave, il y a le quorum. Donc on va faire un tour de table tout de suite. Allez-y, chacun votre prénom vite fait. Salut, moi c'est Fabrice. Salut, Connor. Salut, c'est Jocelyn. Allô, c'est Anne. Salut, moi c'est Fred. Salut, Laurent. Moi c'est Jérôme, salut. Et moi c'est Jeff. Allez, c'est parti. La bande au complet, tiens, regarde. Allez, vous avez le droit d'avancer et faire des photos. Bon, le temps se maintient, on est allé se balader un petit peu. Pour l'instant, il fait beau, il fait même un peu chaud. Mais évidemment, c'est un dimanche, un week-end de jours fériés, donc il y a du monde partout. De toute façon, il y a toujours du monde à Annecy. Mais bon, ma foi, c'est sympa. Alors, là,
toujours pas d'accord sur des blés. Moi, je dis qu'il y en a 100, lui, il me dit qu'il y en a 20. Enfin, tu vois. Eh ben, tu fais une moyenne. On a même pas marqué pour y aller. Ouais. Ah, mais c'est pas facile, hein, là-haut. Et en plus, peut-être aussi, on l'a fait le premier jour, ça a été l'escalier. Donc, pas d'accord. Eh, hey, monsieur, dame. Oui, oui. Allez, Fabrice, miam, miam. On a faim, on a faim. Des frites. Mettez tous vos sacs là, on part tout. Allez. Miam, miam. Miam, 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 miam. On vient de finir de manger. Et puis bah maintenant il pleut, tant qu'à faire. Bon, c'était un petit peu chronique d'un truc annoncé, c'était déjà annoncé pour ce matin. Donc bah voilà, bon, c'est pas énorme, mais suffisamment pour que ça nous emmerde. Et qu'on le soit forcément les appareils photo dehors. Bon. Enfin bon, on va voir ce qu'on va faire, mais en tous les cas on continue. Pour l'instant, ça ne nous empêche pas de nous balader. Et bon, peut-être un peu moins de photos, mais en tous les cas on se balade. Ambiance sympa. Donc voilà, bah, coup de main de le peuple. Allez, on continue, on va voir ce qu'on devient. Il pleut, il mouille. Hein. Moi aussi, je voulais faire beaucoup de photos. C'est bon, on n'a jamais de chance en Haute-Savoie. Voilà, c'est bizarre, moi j'ai tout en beau. Incroyable ça. Je compte les nuages, ils suivent Jeff. Mais non, il faisait beau jusque-là. Ouais, je t'ai pris sur le vif. Je t'ai chopé. C'est photo pas smartphone. Bon, comme il pleut, on va essayer de faire les valeurs sûres. On va faire les églises. Vous êtes joueur? Vous êtes resté sous la pluie? Bon, en même temps, c'est toujours pas ça. C'est de plus en plus Bruno, je pense que ça va. On est parti pour l'après-midi comme ça. Mais bon, ça ne nous empêche pas de se balader, de discuter, c'est sympa. On va voir ce qu'on va faire, peut-être les jardins maintenant. Tant qu'il ne peut pas plus, ça va, ça ne nous fait pas fuir en courant. C'est souvent de la correction d'équipe. Ouais. Bah, le module est un peu perdu. Hein. Et en plus, ça fait un peu de temps. Merde. Ça, c'est chiant. Hein.
Voilà, vous avez vu un petit peu cette journée, ma foi, qui était sympa. Dommage que l'après-midi, voilà, ça a un petit peu gâché un peu le plaisir, parce qu'au lieu de peut-être de profiter du soleil, de revenir vers le lac, faire des photos sympas ou autre, bon, on a plutôt, voilà, on a privilégié les églises, comme j'ai dit dans la vidéo, ce genre de choses. Voilà, c'était pas forcément sympa, mais ma foi, je vous disais, on a vraiment passé une bonne journée, donc je remercie encore tous ceux qui ont fait le déplacement, plus ou moins loin. Certains venaient de Lyon, certains venaient de la Bresse, enfin, certains n'étaient pas loin, ma foi. Voilà, c'est qui ont passé la journée avec nous. Merci encore. Et puis, écoutez, on va remettre ça sous peu. Donc, je vous rappelle qu'il y a la rencontre abonnée à La Rochelle qui va être organisée le 18 juin. Donc, c'est maintenant imminent. Donc, si ça vous intéresse, il ne reste plus qu'une journée ou deux pour vous signaler. À la limite, même si vous ne signalez pas et vous voulez venir, venez. Moi, ce n'est pas le problème. Hein, je n'ai pas besoin de pointer. C'est juste pour savoir s'il faut attendre les gens ou pas. Je crois à ce jour, on est 4. Donc, vous voyez, ce n'est pas exceptionnel. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. Mais si vous avez envie quand même de vous signaler, voilà, je vous remets le lien dans la description. Voilà, c'est important quand même parce que, bon, ça nous est dit, je vous dis, ça évite d'attendre au niveau organisation, de savoir qui est là, qui n'est pas là, si on a le quorum et si on peut commencer à se balader. J'espère que cette fois-ci, il fera beau. Ma foi, on est un peu plus en juin et puis on est à La Rochelle. Généralement, quand même, on peut espérer qu'il fait beau. Voilà, merci de m'avoir suivi. Cette restitution vous a plu, comme d'habitude, petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Voilà, si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez me suivre, bah, toujours pareil, vous savez, le bouton abonné, la cloche, enfin, tous ces trucs-là. Je ne vous le redis pas. Merci. Au revoir.